Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 3 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Il y a plein de choses dans le ciel, à commencer par la pleine lune qui va se réaliser lundi. Mais comme je vous ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, vraiment précise sur toutes les incidences de la pleine lune, on va juste l'évoquer comme ça. Bon anniversaire, mes deuxièmes décans cancer, parce que le soleil démarre la semaine à 11 degrés du signe de mémoire, 11 degrés du cancer, on amorce la deuxième décan. Donc, petite subtilité quand même, prudence, si vous avez une nuit de fatigue de dimanche à lundi ou lundi à mardi, mais certainement plutôt en amont de dimanche à lundi, pour mes deuxièmes décans cancer, capricorne, là où est la lune, deuxième décan balance, deuxième décan bélier, les carrés en fait, tout simplement. Bon, s'il y a une petite tension, vous inquiétez pas, c'est dans l'ordre des choses, hein, c'est une pleine lune, voilà, tout simplement. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des planètes dans les quatre éléments, et quand il y a des planètes dans les quatre éléments, c'est toujours plus sympa parce qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça l'idée. On peut tous puiser, à un moment ou à un autre, sur une influence planétaire qui nous veut du bien. Ça permet de ne pas polariser sur les agacements qu'on a. Et à la fin, je vous ferai tout un. Enfin, je vous développerai une idée à laquelle je suis très attaché, la métaphore du bateau, qui nous permet de relativiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous allez voir. Donc, on démarre la semaine, soleil en cancer, excellent pour qui? Excellent pour mes signes d'eau. Il y a plein de choses en signe d'eau cette semaine. Il y a bien évidemment le soleil, parce que c'est l'époque de l'année, hein, il est en cancer, donc très bon pour mes signes d'eau, pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions, c'est votre période. Surtout que dans la même zone du ciel, à 2 degrés près, à 13 degrés, il y a également Mercure, la communication, qui en ce moment est proche du soleil. Donc Mercure, la communication, les échanges, la capacité à s'adapter. En plus, Mercure dans le signe du cancer, il est beaucoup plus intuitif. Mercure, l'intelligence, dans un signe d'eau comme le cancer, ressent les choses. Souvent, ça donne des profils, même si c'est davantage marqué chez les mercures en poisson, eux, ils ont un talent exceptionnel pour être capable de devancer l'idée, rien qu'au ton, rien que la manière dont l'interlocuteur s'exprime, la façon dont il présente ses arguments, le ton qu'il utilise et les attitudes, tout ça sont des informations qui travaillent sur le ressenti, l'inconscient, talent qu'ont en général ceux qui ont des planètes en signe d'eau, un talent particulier, le fait de sentir, de se fier à son intuition, son intelligence émotionnelle profonde. Eh bien, Mercure en cancer favorise ces fonctionnements-là. Donc, Soleil et Mercure en cancer, vous l'avez vu, très proche, donnent une excellente capacité à prendre de l'assurance, à avoir une vision d'ensemble, c'est solaire, mais en même temps, permet de disposer davantage de facilité à communiquer, à trouver le mot juste, à être fin. Hein. Pour qui? Pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons, et ceux qui sont, comme vous le savez, à 60 degrés en amont en aval, à partir de mon cancer, mes taureaux et mes vierges. Vous cinq, c'est super. Capricorne, vous me prenez la lune juste lundi, mais c'est quand même une opposition. Donc attention aux variations d'humeur, mes petits capricornes, en ce moment. Si vous êtes impatients, si vous réagissez un peu à vif, ben, c'est normal, le ciel vous pousse un peu à ça. C'est comme ça. Tout simplement, ça passe très vite, une pleine lune. Mardi, on passe à autre chose. J'ai donc très bon pour mes signes d'eau, je disais, surtout qu'il y a encore des planètes en signe d'eau, mais elles sont tellement lentes que j'en parle de façon beaucoup plus légère, parce que c'est rituelique, hein, elles sont là pendant des semaines, des mois, parfois des années. C'est Saturne et Neptune qui sont tous les deux en poisson. Donc Saturne, la sagesse, apporte sagesse pour mes poissons, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions. Voilà, Saturne, sagesse, Neptune, l'intuition, pareil pour les mêmes. Et effectivement, le double opposition Saturne, Neptune, actuellement en poisson, forme une opposition avec mes vierges, donc attention à la fatigue, mes vierges. Attention à ne pas faire trop de choses en même temps. Carré avec mes sagittaires, attention à ne pas vous disperser, mes sagittaires. Et carré avec mes gémeaux, alors vous, c'est encore une orientation différente. N'essayez pas de faire trop de choses en même temps parce que vous allez finir sur les rotules. Voilà, c'est ça l'idée de cette double opposition et de ces carrés formés par Saturne et Neptune qui actuellement sont en poisson. Bon, très bon globalement pour mes signes de terre, très bon pour mes signes d'eau parce qu'il y a une majorité de planètes dans ces éléments-là. Notamment dans les signes de terre, il y a également Jupiter et Uranus et Pluton. Jupiter, Uranus et Pluton, trois gros morceaux dans mes signes de terre. Donc, très bon en matière de chance pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Tout ce qui se met en place en ce moment est très intéressant. Hein, parce qu'il y a, dans le signe du taureau, Jupiter, la chance, et Uranus, la créativité, la nouveauté, les changements d'angle. Les deux en taureau, c'est très productif. Dans les mois qui viennent, ils vont se rapprocher, ils vont être encore plus puissants. Mais dans tous les cas, déjà, ce qui se met en place en matière de projet, dès à présent, puis vous verrez en deuxième partie d'année, ça va être beaucoup plus constructif. Pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, vraiment là on est dans des phases où les réajustements sont prometteurs.
Et puis Pluton, bon, on ne va pas en faire un roman non plus, il est à 29 degrés 34 minutes du Capricorne rétrograde, il navigue dans le dernier degré. Très très intéressant en revanche, hein, si vous avez besoin de vous fixer un cap. Pourquoi ? Pour qui ? Pour mes Capricorne 3e décan, là, vous m'avez fait le ménage depuis 2-3 ans, là, ça devrait commencer à aller beaucoup mieux. Les orientations vers lesquelles on va tendre, c'est clair, tout simplement. Quand on a fait un bon ménage, qu'on a fait des lagages un peu partout, ben, c'est pas mal, on y voit plus clair, tout simplement. Et puis ça se dessine, l'horizon est plus simple à intégrer, à cadrer, à situer, à identifier. Très bon aussi, 3e décan, des scorpions, des taureaux, des poissons, des vierges. Très bon pour vous. Excellent ça, Pluton. Il veut du bien, vous. Et puis, qu'est-ce que j'allais oublier ? Les planètes en signe de feu. Comment les oublier ? J'ai actuellement dans le ciel deux planètes en signe de feu, et non des moindres. Il s'agit de Vénus et de Mars, qui restent encore un bout de temps. On le sait, Vénus, gâtez mes signes de feu, mais pas que, vous allez voir. Pour le charme, pour la délicatesse, pour les émotions, le besoin d'aimer, et puis du coup, tous les attitudes qu'on déploie, le savoir-faire qu'on déploie, pour être tout à fait délicieux, charmant, arrangeant, sympathique, consensuel, attachant. Voilà, c'est ça les infos vénusiennes. L'influence vénusienne, donc, est en Lion. Cette semaine, Vénus est à 22 degrés, mais elle va y rester vraiment jusqu'en octobre, rassurez-vous. Donc, énormément de charme pour mes lions, mes sagittaires, mes béliers, mes balances et mes gémeaux. Voilà, toutes les influences bienveillantes et positives qui exercent sur vous cinq la présence de Vénus dans le signe du lion. Donc, c'est très, très porteur. Et puis, dans la même logique, dans la même séquence, à 3 degrés plus loin, il y a Mars. Mars, je retrousse les manches, qui lui apporte cette volonté, cette énergie, cette détermination, ce tenus, cet élan, cette force pour les mêmes, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. Vous avez Vénus et Mars qui vous soutiennent de façon très présente, très pointue, très, très nette, très perceptible, en ce qui concerne cette dualité de charme et d'action. Donc cette dualité, c'est pas une dualité en fait, c'est un complément qui se rassemble. En Lion, les deux sont heureux. Toutes les planètes sont belles en Lion, sauf Saturne peut-être. Voilà, sauf Saturne, hein, parce qu'il est très beau en face, donc l'humilité, la sobriété, le repli, la déprime, c'est pas les trucs de Lion, ça du tout. Hein. Mais en tout cas, le charisme, c'est évident pour vous cinq, il est à déployer tout au long de cet été, tout est possible. Vraiment, je vous encourage à ouvrir, hein, vous donner les moyens de faire en sorte de faire bouger tout ce qui méritera de l'être, et puis comme Mars est dans la zone en même temps, à vous de fournir l'impulsion, l'impact, l'élément déclencheur, l'étincelle, l'amorce, hein, la petite initiative qui fait qu'on fait bouger, hein, on fait avancer, on fait démarrer. On fait émerger ce qui doit l'être sur le plan émotionnel, relationnel, humain, affectif et amoureux, bien évidemment, par extension. Voilà, c'était l'ensemble du ciel de cette semaine. C'est pas mal. Hein, c'est pas un ciel très contrariant. Il n'y a pas de grosse contrariété dans le ciel, en fait. Donc, c'est une semaine à savourer, ce que je vous encourage à faire. Sur le mode zen, bien sûr. Hein, les planètes en cancer, elles sont douces, en général. Elles sont pleines d'affect et d'émotion, mais elles sont bonnes. Et puis, j'aimerais, vu que c'est l'occasion d'en parler, vous parler de ce que j'appelle la métaphore du bateau. La métaphore du bateau, vous allez voir. Et l'occasion d'une pleine lune en est une opportunité. Voilà. Voilà. Quand je raisonne au sens large, je me dis, nous sommes tous sur des bateaux. Hein, tous. Hein. Vous, moi, la voisine, le beau-frère, on est tous sur un bateau. Voilà, c'est comme ça que j'ai une vision de la vie, de l'humain et du monde, en fait. Et on est tous sur, on va dire que c'est une barque, hein, parce qu'on voilà, on est tous sur notre barque. Alors, dans mon esprit, il n'est pas important de savoir s'il s'agit d'une grosse ou d'une petite barque, si nous avons des petites ou des grosses rames, si nous avons des petits bras ou des gros bras, pas important tout ça. Hein, certains, dans leur barque, vont être plus malins que d'autres, ils vont planter un mât, et puis ils vont dresser une voile, et puis ils vont avancer plus vite. Mais ça, c'est de l'épiphénomène, ce sont des moyens. C'est Mars, plein de choses comme ça qui sont intéressantes à additionner, mais bref, restons sur notre bateau, sur notre barque. Eh bien, lorsqu'on est sur notre barque, il est indispensable que nous ayons dans la vie des caps, des objectifs, des points de visée, hein, ce qu'on appelle un cap, tout simplement. Alors, le cap, ça peut être un phare sur l'horizon, ça peut être un port qui concerne une destination à atteindre, mais il est indispensable d'avoir quelque chose dans le collimateur qui fait en sorte de faire converger nos énergies
sur le but à atteindre. Alors ça peut être des trucs tout simples, hein. Moi j'aime bien les petits objectifs, parce qu'à partir des petits objectifs, on accumule des confortations successives qui nous donnent envie de viser des objectifs plus éloignés. Donc il ne faut pas polariser sur des choses très lointaines, systématiquement, parce que on peut se décourager en route, mais ayez un objectif simple et accessible, chaque jour, ou sur une semaine, un mois, un an, ayez quelque chose dans le collimateur, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que si on a un objectif dans le collimateur, on va réduire la portance, on va réduire la porosité, la perméabilité qu'on va avoir à toutes les contraintes inhérentes à la vie au quotidien. Si je reprends la métaphore du bateau, on va tous être sur notre bateau, on va avoir un courant marin qui va nous embarquer ailleurs, qui va nous faire dériver, on va subir une saucée qui nous tombe dessus d'un coup, on va subir une grosse rafale de vent qui va faire nous manquer de nous desseller, comme on dit, de tomber à l'eau, on va avoir un autre bateau qu'on va cogner, hein. Parfois on s'accroche avec quelqu'un, ben c'est ça, tac, un friction. Et si on n'a pas un objectif à atteindre qui soit clairement identifié dans le collimateur, tous ces microphénomènes qui sont inhérents à la vie de tous les jours, les désagréments, les agacements, la fatigue, eh bien on va polariser dessus. Et plus on va polariser sur les petites choses qui sont incontournables dans la vie, on a toujours des petits tracas, eh bien on oubliera l'objectif essentiel et on va leur accorder une place surdimensionnée par rapport à la réalité de la gravité de ce qu'on vit et ce qu'on échange, hein, surtout sur le plan relationnel et humain. Voilà, c'est ça la métaphore du bateau. Donc, ayons en tête toujours d'avoir un cap, quel qu'il soit. Hein. Et puis, parfois, ça peut être tout simple, c'est être utile, sentir utile, c'est vraiment tout en haut de la pyramide de ce qu'on peut viser le mieux dans la vie, à mon point de vue, de mon point de vue en tout cas. Voilà, je voulais vous raconter ça, c'était la métaphore du bateau. Et puis j'aime bien les ciels comme cette semaine, où il y a des planètes dans tous les éléments. Et puis où il n'y a pas trop de bagarre dans le ciel en fait, donc c'est agréable, hein, vous l'aurez bien compris, mes signes de feu, Vénus et Mars, le charme et puis l'énergie, hein, mes signes d'eau, là vous avez le soleil, la vision d'ensemble et puis la confiance en vous et la communication, mes signes de terre, vous avez Jupiter, la chance et Uranus, la créativité et puis Pluton, la lucidité. Hein, et puis mes signes d'air par jeu d'extension. Il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, dans mes signes d'air, mais fort heureusement. Il y a les planètes en Lion qui vous accordent des sextiles de tous les côtés, hein, sauf mes petits Verseaux, là. Cultivez votre indépendance, vous ne laissez pas envahir. Mais globalement, le ciel est beau. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Merci pour vos gentils messages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Et puis désolé, je ne me suis pas rasé. Ben, voilà, je vais laisser reposer la peau, donc si j'ai des commentaires, je ne serai pas surpris. Et puis on se dit à très vite, hein, je vous prépare plein de trucs là. Je vais commencer à tourner les annuels 2024, et puis à très bientôt. Merci pour tout.